J'ai du canapé, là je vais bouger, je vais me préparer, il faut que je fasse mon solde chez moi parce que ça va pas du tout. Voilà, et qu'est-ce que je... Et voilà, franchement je suis trop contente parce que là je suis en train de tout caler et tout. Vu que je vous ai dit, je vous en parlerai. Là j'ai un projet qui sort, je dois rendre mon appart. Pas maintenant, j'ai encore un mois pour rendre mon appart, mais bon, moi je suis quelqu'un de très stressé, je sais pas comment vous êtes vous, et du coup, je déteste faire tout à la dernière minute, donc je prévois à l'avance. Je dois refaire mes papiers, ben voilà. Et après, purée, j'ai trop hâte de voir ma famille, voir mon chéri, tout ça, voir mes chiens en France, dans notre futur chez nous, donc du coup, je vais commencer à attaquer avec les meubles, vous allez grave m'aider. Meubles, la chambre de la petite. Plein plein de trucs, donc j'ai vraiment trop hâte. J'aime bien quand les journées sont bien fournies comme ça pour commencer à caler toutes les tous les shoots, la process et tout, mais des photos aussi pour le et là allez, je vais me bouger, je vais sauter à la douche, je vais me préparer, je vais passer l'aspi, et ensuite bébé, je suis trop contente. Bon, sinon je suis prête et tout, je suis en train de faire mes machines. Voilà. Là, j'ai de l'énergie de mon petit ménage. La dame de ménage qui va m'aider, qui fait le plus gros, mais pas tout le temps, peut-être ça me saoule. Je préfère me faire mon ménage tout seul. Pas fait ce qui a été fait. Enfin voilà. Et c'est génial, je crois que je recommence à avoir une petite sciatique. J'ai mal au cul. Bon les filles, je vous raconte un petit peu ma vie. Donc là, je viens de finir un petit peu mon ménage. Donc là, il y a la première machine qui est terminée, je l'ai mise. Là, là, je vais étendre la deuxième machine. Mes cheveux, c'est vraiment du n'importe quoi. Donc tout à l'heure, je vais bien les refaire. Sauf que là, je crois que je vais pas avoir le temps. Donc je vais prendre le petit goûter, comme je vous ai dit, avec ma cousine et ses enfants. Sauf que là, le temps a commencé à tourner à Dubaï. Donc voilà, donc je sais pas comment, si je sors ou pas, parce que j'ai un petit peu peur de conduire quand il pleut à Dubaï. Parce que quand il pleut, c'est vraiment, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos, genre il y a de l'eau partout. Donc voilà, donc je sais pas, on va voir. En attendant, là je vais me faire un petit truc à manger parce que j'ai un petit peu faim. Mais vraiment un truc très léger, je crois, je vais manger de l'avocat, vraiment très léger. Aussi, après j'allais me peser avant. Je vous parle aussi de ma nouvelle semaine. Donc je vous dis dans le... Donc de ma nouvelle semaine de grossesse, donc je suis trop contente, j'entame encore une nouvelle semaine. Moi je suis quelqu'un, j'aime bien regarder ce qui se passe dans mon corps. Je pense que toutes les femmes qui sont enceintes, et même quand je n'étais pas enceinte, j'aimais bien savoir comment ça se passerait dans mon corps. Et ben, donc je regarde, je lis, je me dis tiens, pour cette nouvelle semaine, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps, quel changement. Enfin voilà, donc je vais tout vous dire. Comme ça, bah, les femmes qui sont à peu près au même niveau que moi, vous allez savoir bah, qu'est-ce qui va changer être dans cette semaine. Ou aussi pour les femmes qui sont plus avancées que moi, bah, ça, on se donne des petits conseils et des petits tips. Donc ça, c'est vraiment cool. Juste avant de me préparer à manger, je pense aussi aux femmes qui ne sont pas sur minceur que je fais d'habitude quand je suis enceinte et que je vais faire une fois que j'aurai accouché. Parce que c'est vraiment un truc naturel et qui marche trop trop bien. Donc écoutez. Donc en fait, je vous explique. Moi, pour celles qui me connaissent depuis un moment, vous connaissez Wonder Nana, je vous l'ai déjà présenté. C'est des cures que je fais souvent, en plus quand je suis en tournage ou quand c'est l'été, pour perdre du poids et pour détoxifier mon corps vraiment en profondeur. Là, on est en 2023. Pensez que pour celles vraiment de s'y mettre, et en plus, moi, je suis pas une addict au sport, donc perdre du poids facilement, c'est mieux pour moi. Détoxifier mon corps facilement, c'est mieux pour moi aussi. Et avec des produits naturels, c'est mieux encore plus pour moi. Donc, je pense pour vous aussi. Donc, je vous explique. En fait, Wonder Nana, donc c'est une marque française qui existe depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait un petit moment. C'est une marque avec qui je collabore depuis très longtemps et j'adore leurs produits. Là, malheureusement, bah, je suis enceinte, je ne peux pas le faire, mais par contre, je pense à vous. Donc, je vous explique. En fait, c'est un challenge de 21 jours. Donc, 21 jours, c'est hyper rapide, surtout quand... Donc, c'est tout simple. En fait, je vous explique, c'est un combo. Vous prenez les deux, d'accord? C'est un pack, c'est un combo. Vous commencez pendant 7 jours à faire la cure express. La cure 7 jours, donc celle-là, vous ne la calculez pas encore. Donc pendant 7 jours, on va s'occuper de la cure express. 7 jours, cure express, c'est hyper facile. En plus, je vous mets tout là. C'est vraiment simple, hein, c'est des tisanes à faire. Donc vous faites bouillir de l'eau, vous mettez 3 cuillères de cure à l'intérieur et vous infusez. Ça vous fait soit une tisane glaçon, ça vous fait un thé glacé sans problème. C'est goût framboise, c'est hyper bon. Il y a d'autres goûts sur le site, je vais vous montrer.
Donc, on commence par ça 7 jours. Ça, ça va son corps. Parce que c'est vraiment une cure express. Et comme ils le disent, vous voyez, intense après 7 jours sur un organisme sain. Déjà, au bout de 7 jours, vous allez voir des résultats parce que vous allez mincir. Vous allez voir au niveau de vos pantalons, ça va vous dégonfler le ventre. Vous allez perdre du tour de taille. Une fois qu'on a fini les 7 jours de cette cure, donc on va repartir sur une période de 14 jours. Parce que je vous ai dit, c'est une cure de 21 jours. Donc, rien à faire dans l'ordre. Celle-là, le adieu kilo. Tout simplement, celle-là, donc, regardez, perte de poids, hyper bon, hyper facile à faire comme le premier. Le adieu kilo, tout simplement, il va vous permettre de perdre du poids. Une fois que vous perdez encore plus de poids. Ça dure 21 jours. Voilà, je me suis fait une bonne cure avant d'aller en vacances pendant 21 jours. Si vous pouvez commencer maintenant et après, vous pouvez la reprendre en fait. Donc, ça, c'est cool. Et donc, voilà, vraiment, si je vous le dis et si vous respectez tout ça, vous allez voir, vous allez atteindre vos objectifs très rapidement. Comme si on buvait des petites tisanes, sauf que ça a des effets hyper bons. Donc, un, on nettoie son corps. Deux, on enlève les kilos. Voilà, 10% qui va sur toute la boutique. Déjà, il y a des promos sur la boutique. Et en plus de ça, vous allez avoir moins 40% et la livraison offerte. Donc, c'est vraiment le moment d'en profiter. Là, je vais vous montrer déjà, hop, sur le site, comment ça se passe. Hop, je vous montre le fil. Vous voyez, je suis sur le challenge, ma sœur 21 jours. Donc, il y a bien le combo. Vous voyez, il est déjà en promotion, mais en plus, vous allez avoir moins 40%. Déjà, vous choisissez votre saveur pêche et j'adore la menthe. Fruits exotiques, j'aime bien quand c'est l'été. Pardon, ça a sonné. Donc, je vous disais, fruits exotiques, j'aime bien quand c'est l'été. Donc, par exemple, là, si on prend pêche, vous mettez le code promo news. Ça vous enlève en plus 23 euros. Donc, sur ça, vous payez 35 euros avec la livraison qui est gratuite. Donc, voilà. Donc, franchement, profitez-en à mort. Les filles, j'ai une petite question. Donc, ça, c'est personnel pour les filles qui sont enceintes. Parce que je sais que bah, y a les cul de cerise de chez Wonder Nana. On m'a dit que les queues de cerise c'était hyper bon enceinte pour éviter les ballonnements et tout. Et ça, ceux-là, ils sont super naturels. Je les avais déjà essayés avant ma grossesse. Les queues de cerise, ça, je les m'aidait à moins avoir mal au ventre et à boire plus d'eau quand j'avais mes règles. Parce que c'est un anti-ballonnement et c'est un drainant. Donc, ça, c'est trop bien. Enfin, anti 100% naturel. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des femmes enceintes qui prennent des petites cures de queues de cerise? Voilà. Petite question. Bon, c'est parti. Il me reste une machine à étendre. Là, je refais pas une troisième parce qu'en plus, je vais être en retard. Et j'ai trop envie de manger un petit truc. J'ai trop envie de manger un truc. Donc, hop. Je vais l'étendre. Par contre, je suis trop contente parce que j'ai commencé à bouger tard, à faire ma vie un petit peu tard. Moi, j'ai traîné, mais tout est propre et tout. Je passerai à laver les draps. Donc, voilà. Donc, là. Et je veux tester un nouveau truc, en fait, sur mes cheveux. Je vous avoue. Donc, je vous montrerai, je le ferai tout à l'heure. Et on verra si ça marche bien ou pas. T'as pris combien de kilos, j'avoue, vous avez pas suivi? Bah, en fait, ça a pas bougé. Je suis contente. En même temps, je vous ai dit que là, cette dernière semaine, dès que j'ai et ma mère sont parties, j'ai commencé à faire attention. Donc là, vous avez vu que j'avais fait le blind de fruits et de légumes. Là, je vous avoue que j'ai pas mangé de la journée. Donc voilà, c'est que j'aime ça. Là-bas, c'est un goûter, c'est parti en McDo. Elle m'a dit, t'as pas mangé. Tu sais quoi, j'ai trop McDo et tout. Elle m'a dit, pita au McDo, on a dit McDo. Donc voilà, j'avoue, j'ai pas mangé aussi. Donc, et tout. Voilà, vu que je bouge pas de la maison. Du coup, là, le temps, il fait bon, en fait. Il fait combien de degrés? Il fait 25 degrés. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Bon, normalement, il ne doit pas pleuvoir. Mais voilà, je suis trop contente aussi. Je vais voir ses bébés. Vous savez, ma cousine, c'est le petit Naël que vous voyez tout le temps depuis qu'il est bébé avec moi. Donc là, je vais le voir. Et elle a un autre bébé aussi. Donc je ne mets pas en story par contre. Voilà, un autre bébé. Donc, c'est que des garçons. Donc, je suis trop contente. Là, on va se voir. Je vais voir les bébés. Donc... c'est une petite après-midi tranquille. Après, je vais rentrer. Comme je vous dis, j'aurai un code. J'ai toujours mon code MyriamK. Je vous le redonnerai parce qu'il y a d'autres produits sur le site pour celles qui veulent un code pour les gummies et tout. Voilà, je l'ai vu dans plusieurs stories des influenceuses. Apparemment, ils le présentent comme incroyable et tout. Je sais que MyriamK a des bénéfices si vous l'avez déjà testé ce produit parce que je sais que vous êtes hyper radical, hyper direct. Donc, je regarde les stories, je vous jure. Je me dis, mais waouh, je le veux ce produit. Donc c'est pour ça que je voulais trop le tester, donc je vous dirai. Sinon quoi d'autre, demain en plus, donc c'est pour ça que je voulais le tester ce soir parce que là c'est du n'importe quoi mes cheveux. Et demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur parce que je vais refaire aussi mes ongles. Le côté French, je pense que je vais laisser le côté brun. Je pense que je vais faire une nouvelle couleur dessus, je sais pas quoi. Mais ce qui est bien, vraiment les filles, donc voilà, donc demain je fais ça.
Et je peux pas aller chez le coiffeur comme ça, j'ai un nid dans les cheveux là. En fait, j'ai vraiment un nid, je les ai juste remouillés ce matin, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'était l'occasion de tester le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je teste en rentrant. Et pour celles qui veulent un code Myriam K, je vous en donnerai un, vous inquiétez pas. Il est 3, 3, 3, 6, c'est que 13h, donc c'est début de journée pour vous. Donc c'est cool, donc je vous souhaite une bonne journée. Et de toute façon, et vu que là il me reste encore un petit peu de temps avant d'arriver chez ma cousine, je voulais vous parler des semaines aménorrhées. Donc en fait, les symptômes, ça a été simple, c'est que j'ai senti des coups en plus. Vraiment, genre, j'ai l'impression, mettez vos poings comme ça et vous faites ça avec la peau, que j'avais dans le ventre toute cette semaine. Et plus intense en fin de semaine. Donc je pense que cette nouvelle semaine, donc là ma fille elle dort. Ce qui est bien, c'est que du coup, je sais quand elle dort et quand elle dort pas, du coup, voilà. Donc quand elle ne bouge pas, je sais qu'elle se repose. Donc c'est cool. En plus, j'ai été plutôt active ce matin. Donc toute la journée, comme je vous ai dit, j'ai fait le ménage, j'ai pas arrêté. Hein. J'ai vraiment pas arrêté. Donc je crois que je l'ai bien balancée et que là, elle doit être éclatée. Elle attend aussi peut-être que je mange. Voilà. Mais voilà, et c'est vraiment une semaine, je vous montrerai, en fait j'appuie juste sur le bouton et ça enregistre et je vous garde même pas. Mais je vous montre. Synchro, j'en suis sûre que c'est pour nous le McDo. Et voilà, regardez, j'ai trois McDo. L'aile, elle se tape un filet au fichage, j'ai rien compris. On se le tape toute l'année en France. Ça y est, il a grandi, il calcule plus personne. Non, depuis que t'es un grand garçon. Tu veux que je t'enlève ta dent? Il a une dent, mais il est pas dans le victoire. C'est laquelle qui bouge? Bah, tourne là. Ah, bouge pas. Non, c'est pas celle-là. Ah, le ventre. Il a les cheveux de devant qui bougent. Viens, moi, je les tire. On met un fil. Tu sais, mon grand-père, il faisait comment? Il mettait un fil autour de la dent, il l'accrochait à la porte et il fermait la porte. Comme ça, ça tirait d'un coup. Tu veux qu'on le fasse? Non. Oui, les meufs, vous inquiétez pas, je vais ouvrir le colis. Il y en a déjà qui m'ont dit, c'est quoi le colis? C'est un cadeau? C'est un cadeau de qui? C'est G? Non, c'est pas G. Je connais le destinataire, enfin l'expéditeur. Destinataire, c'est moi. L'expéditeur, donc je sais que c'est un cadeau. Je sais pas c'est quoi comme cadeau. Juste avant, là, avant d'ouvrir, je me fais un chocolat chaud. Ouais, je suis une addict au chocolat chaud, vu que je bois plus trop de café. Voilà, je bois un café au lait le matin, c'est tout, j'ai réduit. Mais avant, j'étais à 8 cafés au lait par jour. Donc du coup, je compense avec un chocolat chaud. Dès que j'ai envie d'une boisson chaude, je prends un chocolat chaud. Et ensuite, je vais aller me faire mes cheveux. Là, c'est pas possible. Et en plus de ça, j'ai fait l'erreur. Là, je me lave les cheveux parce que je veux trop essayer le produit. Demain, je ne sais pas si je vais chez le coiffeur ou pas, mais dans tous les cas, demain, c'est sûr, après cet soin, maybe. Mais c'est sûr. Regardez là. Regardez. Au hasard, au supermarché. En fait, j'aurais jamais dû l'acheter. Je sais pas, c'est une marque d'ici. Il y a marqué mousse coiffante, cheveux bouclés. Mais en fait, elle m'a fait... mes cheveux, c'est de la paille. Hein. Donc voilà. Si vous avez d'ailleurs des marques de mousse à me conseiller, franchement, je prends les filles. Parce que là... Là, plus jamais je l'utilise cette mousse. Je vais l'acheter à la poubelle. Mais j'espère que je vais rattraper mes cheveux. J'espère que ça va pas me tuer les cheveux, je pense pas. Bien sûr, moi quand je fais comme ça, regardez, j'ai des nœuds et tout. Genre, ça va pas du tout. Puis la forme que ça m'a fait à mes cheveux et tout, enfin, c'est testé cette mousse. Je suis dégoûtée. Bon, ça y est, comme je vous ai dit, il fallait absolument que je fasse un truc à mes cheveux aujourd'hui. C'est de mauvaise qualité qui m'a complètement séché le cheveu. Donc là, j'ai fait deux shampoings, un après-shampoing. Et je voulais absolument tester, comme je vous ai dit. Donc, je fais exactement comme on m'a dit de faire. Donc, sur le truc, il y a marqué clos, comme ceci. Ce qui est bien, c'est qu'elle ne coule pas partout. D'accord. La texture, elle change avec, c'est trop stylé. Ok. On en met partout, vous avez sec. Voilà. J'adore. Et ensuite, apparemment, on brosse et ça enlève tous les nœuds. Et ça se transforme en texture crème. Non, mais il a... Ah ouais, purée, mais je suis choquée, les filles. Mais c'est un truc de fou. Non, mais ça enlève surtout tout. Et après, il faut rincer. Il faut laisser poser 5 minutes et rincer. Donc, c'est pour ça on peut le faire sous la douche. Moi, je vais aller rincer. Et après, apparemment... ça fait un effet immédiat sur les cheveux quand on les sèche.
Quand on rince et qu'on sèche nos cheveux, ah, vraiment, ils sont soyeux, ils sont doux. Enfin, c'est une eau, ils appellent ça l'eau miraculeuse. Je sais pas, donc quand je dis les influenceuses, pas que des influenceuses télé, hein. Genre, franchement, ça a changé même la texture de mes cheveux en 2 minutes. Donc voilà. Non, bon, bah vraiment, genre, je suis choquée. C'est de l'eau comme ça, genre, minutes. Et regardez comment mon cheveu brille. Et oui, pour celles qui me demandent, hein, la brosse, c'est Myriam K aussi. Sa brosse que j'utilise toujours. Mais regardez. Genre, c'est un truc de ouf. Ça y est, j'ai rincé le produit. Bon, déjà, mes cheveux, regardez, ils ont une autre texture. On va pas se manquer. J'ai l'impression que j'ai comme un espèce de protecteur sur les cheveux. Déjà que c'est pour ça que je me suis laissée influencer, je vous avoue. Parce que, en fait, quand on le fait nous-mêmes, c'est encore plus impressionnant. Je vais pas vous montrer tout le séchage. Hein. Parce que c'est quand on lisse qu'on voit vraiment si le produit... Non mais regardez, j'ai juste séché à la brosse. Regardez les cheveux. Je suis choquée. Juste à la brosse, j'ai pas encore fait le fer à lisser. D'ailleurs, je sais même pas si je vais le faire. D'habitude, je sais tirer que le haut. Mais c'est un truc de dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette eau-là, elle porte bien son nom. Donc Miracle Air Water Treatment, c'est une pépite. Je suis trop contente. Donc voilà. Bah, les vidéos que j'avais vues sur ce produit, bah, ils avaient raison. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un truc de dingue, non? La mousse que j'ai mis ce matin, elle m'avait bouffé les cheveux, là, regardez. Juste au séchage, on dirait que je cherchais quoi. Franchement, je dis un truc, vous m'avez trop émue. En fait, c'est une abonnée qui a fait des TikTok comme ça, et a fait une vidéo, et en dessous, en fait, les messages, c'est trop mignon. Je vous jure, d'ailleurs, on va avoir une petite discussion entre filles sur Snap et sur Insta, parce que je trouve... Et j'ai des frissons et tout. On en parle après. Là, j'ai pris un ciseau et j'ai pris mon petit cadeau que j'ai reçu, parce que j'aime trop les petits cadeaux, donc je vais l'ouvrir à... Je sais que vous aimez bien aussi quand j'ouvre les cadeaux avec vous. En plus, je sais pas, j'ai aucune idée de ce qui se passe dedans. Je sais c'est qui, c'est une créatrice qui fait des trucs de ouf. Et en fait, elle m'a carrément envoyé un truc à Dubaï. C'est trop mignon, je jure. C'est fou, je sais pas. Déjà, elle avait envoyé un message. Donc, je sais pas si... cassé, je sais pas ce qui se passe. Donc hop, en tout cas il y a une odeur là qui se dégage, genre ça sent trop bon. Il a voyagé le truc, hein. Donc c'est parti. J'ai pas envie de tout casser. Ça sent l'odeur, la peur, ça sent trop bon. C'est trop. En fait, c'est une créatrice qui fait tout, tout elle-même. C'est magnifique. Enfin, attendez, j'ai hâte, j'en ai plein. Puis là, il y a un gros colis, je sais pas ce que c'est. Je vais tout ouvrir. Il y a plein de trucs. J'aime trop. Et ça sent trop bon. Et en fait, elle a tout. Petite montgolfière. Après, je vais vous montrer. Regardez la matière. J'en avais chez moi, dans le sud. Et là, en fait, pour la grossesse et tout, elle va me faire un beau cadeau. Et elle m'a dit, je t'envoie des... Oh, c'est magnifique ça. Je vais tout remballer pour emmener en France. Magnifique. Regardez ce qu'elle m'a fait. Et ça sent hyper bon. Il y a un trou pour pouvoir l'accrocher quelque part. Regardez. C'est magnifique. Magnifique les filles, il ne faut pas que ça se casse. Et là, on ouvre le gros. Elle est trop bien emballée. Wow, mais il y en a plein. Allez. Faut pas que je pleure. Regardez ce que c'est. C'est des petits trucs pour ma fille, pour la décom. C'est beau. En fait, vous entendez? Et ça sent trop.
Il y a trop de trucs, mais elle est folle. Mais elle a fait trop de trucs. Après, je vais faire des petites décos comme ça. Vous voyez, ça va être des décos pour la chambre de ma fille. Non, mais il y a trop de pions. Il y en a plusieurs. Vous voyez. Et tout ça, on va ouvrir le pot. En fait, je vais me faire, comme je vous ai dit, plein de déco. Trop beau. En plus, il y a des dégradés de rouge. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme du marbre rosé. Et il y a une autre. Sinon, j'allais dire, je vous tout. Et je vous prends en photo. Mon petit nounours avec mon nez rose. Regardez. Vous voyez, tu as posé. Je craque, moi, les trucs comme ça, je craque. Oh, j'ai tellement hâte. Tellement hâte. Regardez. Un petit manège, un carrousel. Un petit manège. Regardez des petits bodys. Un petit body rose, un petit body blanc. Non mais franchement, je. Mais elle a fait trop de trucs, mais c'est un truc de fou. C'est moi enceinte. C'est moi, mais en tout cas, c'est une maman enceinte. Regardez. J'aime trop. Je suis complètement fan. Je vais tout bien remettre comme ça. Parce que je vais tout faire emmener en France. Un beau nuage aussi. Donc ça, c'est un nuage rose. Donc en fait, c'est soit vous collez, vous voyez, sur les murs. Donc ça fait des murs en relief. Soit bah, après, vous pouvez les poser comme ça sur une belle table. Je fais des coups et tout. Je vais faire des trucs de dingue. Regardez, ça a posé une rose. Qui dure très longtemps d'ailleurs. Golfière rose. Pareil. C'est là. Franchement, elle a trop géré. Hein. J'ai une rose en blanc. Il y a trop de trucs en fait. Le mur aussi de la chambre de la petite. Plein de petits balles. Franchement, c'est un délire. J'ai hyper honte, genre limite. Écho de chambre pour ma fille. Mais genre incroyable. Incroyable. Je vais tout revoir. Que j'y mette un terme, après 9 mois te voilà. Tu seul sais que j'ai galéré entre les hauts et les bas, entre vie privée et tout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi super, levé de bonne heure. Parce qu'aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Je vais mettre le spray, vous savez, pour cacher mes racines blanches. Au bout d'un moment,
ça et j'en profite pour refaire mes ongles. Donc vous allez voir quelle couleur je vais faire. Sinon quoi d'autre. Et je retourne en fait au salon que j'avais kiffé, qui m'avait fait bien les ongles. En fait à Dubaï ici, pour trouver un bête de salon difficile, je vous avoue. Elles n'ont pas la même façon de faire qu'en France. J'aurais pu attendre encore longtemps avant de les refaire. Sauf que voilà, j'en profite. Voilà, j'aime trop ce salon. C'est le salon où du coup j'avais été avec ma mère. Et le salon aussi où ma mère avait été faire était hyper bien fait. Donc voilà, sinon je me suis pas coiffée, regardez. Franchement, c'est miraculeux le truc. Là, bah, je vais les relaver du coup parce que j'ai mes racines à faire. Et comme je vous ai dit, je pouvais vraiment les cheveux en paille. Je pouvais pas arriver comme ça chez le coiffeur, je retrouve la honte. Ça va me permettre aujourd'hui, cette semaine, de faire, vous savez, une fois par semaine, je fais la... Bah, je fais un soin intense sur mes cheveux. Donc j'ai pris mes produits. Le coiffeur, il est vraiment... Le salon, il est vraiment à 5 minutes de chez moi, en face. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Il commence à refaire chaud à Dubaï. Hier, il faisait froid. Et le salon. Donc je vous montrerai. J'espère en tout cas que ma couleur, pour le coup, elle va bien être faite. Normalement... ايام ما كنا بنحلم نبقى تحت ظل ساتر بينا بالايام وصبح كلامنا فاتر مش لاقي حد غيرك حتى في البعاد غازل Donc voilà, franchement le top, j'ai refait ma couleur. Et en fait, regardez, ça change. Il m'a fait un nettoyage. Donc du coup, il m'a nettoyé le blond naturel que j'avais. J'adore la couleur. Voilà, c'est trop beau. Et là maintenant, je vais passer aux ongles.